T'es trop mignonne, t'es partie acheter le petit gala. Oui. Je sais pas trop dans quoi je me suis fourrée. J'ai des paillettes même dans la bouche. Est-ce que vous pensez que si je vais aux toilettes, je vais faire caca des paillettes ou pas? Comme vous l'aurez compris, je suis toujours en shooting. Normalement, c'est le dernier make-up, la dernière tenue. Et après, on a fini! Je suis fatiguée! Je vous montre pas tout parce que j'ai envie de vous garder la surprise pour quand ça sortira. Hello, je rentre à peine chez moi. Oui, comme vous voyez, j'ai encore des paillettes. J'en ai jusqu'à mon soutif. Horrible. Je sais absolument pas comment je vais m'en sortir sous la douche. Mais je suis dans la mouise. J'en ai partout. Quand je vous dis partout, c'est partout. Bref, vous êtes peut-être en train de dormir. Je voulais juste vous faire un bisou. Et mort de rire, vous m'avez laissé des commentaires sur Instagram en me disant qu'avec mes paillettes, j'ai pas besoin du filtre highlighter de Snapchat. Mais grave, en fait, c'est ce que je me suis dit, on a exactement reproduit le filtre. Mais franchement, c'était trop beau, c'est trop trop beau, j'ai hâte de partager avec vous les photos et tout, je vous montrerai. C'était super joli. Et en tout cas, je suis trop contente que ma nouvelle vidéo, elle vous plaise, parce que je l'adore, je suis trop contente. Je suis très contente de cette journée. Je sais pas si je vais avoir le temps de snapper en rentrant parce que je suis naze, mais vraiment triplement naze. Donc je vais sauter dans la douche. J'espère que je vais m'en sortir avec les paillettes et que je vais réussir à regarder mon cou. Je vous tiens au courant. Si jamais je snap pas, je sais que je suis tombée de sommeil. Ok, s'il vous plaît quoi, s'il vous plaît, dans mes chaussures, souhaitez-moi bonne chance. Yes, un GHD tout beau, tout neuf. Je vous avais déjà montré que le mien était en fin de vie. Tu sais, il y a une pilule derrière, on dirait la fille prend plein de médicaments. Ils sont tellement beaux les GHD, même les boîtes, chaque fois t'as pas envie de les jeter. Merci ma petite Lilou, merci beaucoup beaucoup. J'ai reçu des bougies de Vino, je connaissais pas du tout et apparemment chaque bougie a l'odeur en fait d'une destination. Bon, elle sent un peu le bonbon, j'ai l'impression. Brûlée, je vais vous dire après si ça embaume bien la pièce. Rituals, je suis parée pour Coachella et pour mes vacances. Je suis trop contente. C'est quoi ça? After sun, un après-soleil. Et la serviette, elle est canon. Elle est trop belle. Et du coup, ils la vendent aussi? Bah ouais, je savais pas qu'ils vendaient des serviettes aussi. Elle est canon. Gommage, on a des crèmes pour protéger du soleil. On a des après-soleil, on a des body mist. J'ai aussi reçu des petites palettes de fard à paupières Mariono. Alors attendez, je vais découvrir avec vous. Voir celle-ci, c'est laquelle? Color la nude, à la smoky, là c'est la nude, là c'est la smoky et là c'est la color life. On voit tout mon bordel derrière. En fait, aujourd'hui je vous explique, je devais tourner des vidéos et chez moi c'est un carnage, donc je me suis non c'est bon, je me suis dit c'est bon, je m'occupe de chez moi là un petit peu là. Oh, le petit bleu là, ah elles sont mignonnes. J'aime bien ces deux couleurs là. Ces trois couleurs là. Je suis des rouges à lèvres de chez Estée Lauder. Estée Lauder. Elle est tellement belle, Kendall. Elle est canon cette nana. Elle est trop belle. Lancement 3 avril 2017, prix public indicatif 25€. Et en fait, il y a plein de finis. Il y a 30 teintes et 4 finis. Ah, oh. Regardez celui-là. Faut vraiment que je fasse mes ongles là. C'est une catastrophe. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Ne jugez pas mes ongles. Regardez-moi ce prune là. Et ce petit orangé juste à côté. Ça c'est un rouge mat. Genre le rouge parfait. Et le prune là c'est le Love Object. J'ai reçu une autre cologne de chez AR1. La senteur c'est Lynn & Rose.
Je trouve qu'elles sont trop bonnes. Enfin, c'est celles que je préfère. Enfin, par rapport au nom et aux descriptions, c'est celles. C'est exactement. Quand je l'ai senti, ça m'a rappelé une journée plage. Et là, c'est écrit la joie d'une journée de détente à la plage, vêtue d'une robe de lin légère et entourée de roses gorgées de soleil. Ça sent vraiment le soleil. Les notes de tête énergisantes et gorgées de soleil diffusent le parfum des pétales de fleurs d'oranger et de feuilles de citron pour apporter une touche. Coco que je sentais bien, rafraîchissant de la chevelure. Ça sent super bon. Je pense que ça va être mon petit parfum summer, celui-ci.